Bonjour à tous, c'est Yaya Big Boss. On se retrouve pour la suite et deuxième partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Marvel Super Heroes, Captain America Civil War, trois personnages, référence 76 050, Crossbones, Hazard Heist. Donc en français, Crossboard, c'est le nom du gars. Ça doit être l'embûche ou un truc. Pour ça, en tout cas, j'ai oublié de me renseigner. Et donc, on va continuer la construction. Ceci est ce que nous avons construit dans le sachet number one. Non, c'est ce qu'on a construit dans le sachet numéro 1. Donc, une petite tourelle qui fait aussi office de toit. Le faucon. Black Widow. La moto des Avengers. Et deux sortes de petites vannes avec un sticker marqué danger. Donc pour cette deuxième vidéo, nous n'allons pas coller les stickers pendant la vidéo. Je les collerai pour la review, si j'arrive à en faire une, bien sûr. Des fois, je ne peux pas faire de live construction et tout, parce que je construis tout. Vous voyez, c'est tout bien. Et en fait, la vidéo bug pour la mettre en ligne. Du coup, je peux même pas la mettre en ligne. Donc des fois, si vous vous dites, ouais, il n'y a pas de review ou il n'y a pas eu de live. Bien, c'est normal. C'est que j'ai eu des bugs pour la mettre en ligne. Et donc, on va construire le sachet numéro 2. Donc, la tourelle, on la met de côté ici. Les deux tonneaux, on va les mettre dans les pièces en plus. Comme ça, ce sera fait. Le faucon, on va le mettre ouais, bah, là-bas au fond. Voilà. On va tout mettre là-bas au fond. C'est beaucoup plus simple. Et on ouvre le sachet 2. Voilà le sachet là. J'ai des pièces qui partent un peu partout. Voilà. Donc ces roues là, on va les mettre ailleurs. Voilà, là-bas au fond. On va faire ça comme ça. Comme ça. On va mettre ça. Ouais, comme ça peut être bien. Oui, on va faire ça comme ça. Donc, on va un peu étaler les pièces. J'ai déjà trouvé les pièces de Crossbones. Donc, on va étaler ça par là-bas. Comme ça, je peux étaler celle-ci ici. Et donc, je trouve déjà toutes les pièces nécessaires à la construction de Crossbones. Donc, on va faire déjà son arme. Donc, qui consiste un pistolet et on met une flamme dedans. Donc, un pistolet, je ne sais pas s'il a déjà été vu. Voilà. Comme ceci. Donc, Crossbones qui ressemble à ceci. Comme ça. On lui met ceci pour respirer. Donc, je vais réussir à mettre sa tête bien droite, comme ceci. Donc, il ressemble à ça, imprimé arrière, mais non émotif. Enfin, il n'y a pas de visage à l'arrière. C'est l'arrière de la tête, simplement. Donc, il ressemble à ceci avec son arme. Donc, voilà pour Crossbones. Et on va continuer avec, eh bien, le reste. C'est-à-dire le véhicule en lui-même. Et je suis en train de me dire que ça fait pas beaucoup de pièces. Mais bon, on verra comment ça évolue. Faut que je cadre bien parce que une fois j'ai fait une vidéo et j'ai dû la refaire. Car quand je construisais la chose, eh bien j'étais ici, voilà, et je construisais ici. Eh bien non, il faut que je me mette bien droit. Enfin, face à la caméra. Que vous voyez bien, on va faire un petit focus quand même, rien de très intéressant. Deux barres, trois plaques. Donc, on est en train de faire la structure.
Donc, comme ceci. Et on met. Non, on met une dans ce sens-là, ici. Et deux dans ce sens-là. Là au fond. Comme ça. On met deux pièces pour accrocher les roues. Une à l'arrière et une à l'avant, bien sûr. Ok, j'ai trouvé une pièce comme ça. Je me demande où elle ira. Donc on va déjà mettre les grosses, enfin, grosses pièces. Les pièces volumineuses. Voilà, les pièces longues. C'est pas très très utile, mais je sais pas, ce sera déjà plus simple. Si on fait vite ça. Au moins, ce sera fait. Et en même temps, j'ai trouvé cette pièce-là pour pouvoir continuer la construction. Donc ça, on le pose de côté un moment. On prend cette pièce-là, on met deux accroches dans les trous circulaires. Dès une fois une, avec toujours un trou circulaire au milieu. Comme ceci. Voilà. Et ça, on accroche sur une barre comme ça. Ouais, comme ça. Donc l'utilité, je ne la connais pas. Et on rajoute ça dessus. Et là, on accroche ça. Ça, c'est l'avant, ça, c'est l'arrière. Donc on accroche ça ici. Comme ça. Voilà, j'étais presque en dehors des caméras. Donc on prend deux pièces comme ceci. On accroche ici. On va essayer d'aller rapidement. Donc, où j'ai mis l'autre de... Voilà. Ici, je me demandais où j'avais mis l'autre pièce une fois deux en hauteur. Et sinon, un film à vous recommander, eh bien, Batman versus Superman. Il est vraiment bien. Je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. Bah, je l'ai regardé. Ça fait déjà un petit moment déjà qu'il est sorti, mais je l'ai regardé pas longtemps après sa sortie. On est quoi? Une semaine et demie après sa sortie déjà. Donc, voilà. En tout cas, si je devais vous le conseiller un film, eh bien, je vous conseille ce film-là. Il est vraiment bien. Donc, je sais pas vraiment la limite d'âge parce que des fois ils disent bah là ils ont pas dit donc je pense que c'est pour tout âge. Et donc on fait des sortes de pare-chocs. Enfin non enfin les pièces si vous regardez sur une autre voiture que j'ai ici. On fait un peu ce pare-choc ici là. Voilà. Il y en a qui vont se dire, qu'est-ce qu'elle fout là cette bagnole? Eh bien ouais, qu'est-ce qu'elle fout là cette bagnole? Eh bien je vous montre juste ça. Il y aura des fois des pièces d'autres Lego pour comparaison. Par exemple, pour une fois un Captain America, je le comparerai avec un autre Captain America que j'ai eu. Je donne ça comme exemple parce que j'ai un Captain America à comparer justement. Mais je comparerai ça hors vidéo parce que c'est déjà construit depuis longtemps. C'était quand Captain America était encore avec Superman, Spider-Man pardon. Et donc quand ils ont sorti le vieux jeu, le tout premier jeu Lego Marvel Super Heroes, je crois que c'est ça. Donc je parle et je me suis paumé. Donc oui c'est rouge ouais. Et donc, eh bien, c'est super vieux. Et j'ai eu le carte de Captain America. Donc, franchement, je vous le conseille pas franchement parce que il tient vraiment mal. C'est vraiment nul à chier, voilà. Pour le dire. Faut dire aussi quand c'est nul. Eh bien là, il est vraiment nul. Je regrette vraiment d'avoir acheté ce carte sur Internet. Vraiment. Mais bon, après, c'est fait, c'est fait. Bon, après, au moins, si vous voulez un véhicule pour Captain America, vous l'avez. Mais bon,
Surtout les. Enfin, il est bien en termes de design, mais les pièces tiennent vraiment mal. C'est vraiment mal crochet. Vous avez du style un volant là qui tient sur une pièce comme ça, avec une autre pièce là, et ça tient pas quoi. Vous pouvez pas crocher les deux en même temps. Donc c'est vraiment. Vraiment des trucs dérangeants dans cette carte. Mais en tout cas, moi j'aime pas du tout. Après, des gens pourront aimer, ça c'est clair, il y a beaucoup de gens qui vont aimer. Et moi, pour ma part, j'aime pas du tout. Donc, oui, qu'est-ce que je faisais? Ouais. Ah oui, je parle et je sais plus ce que je fais. Non, je rigole, mais c'est bon, je sais faire deux choses en même temps. Donc, comment fait-on ça? Donc ça, non, ça ici. Donc ça, comme ça, là au milieu. Et donc, comme ça, ou dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Bon après, c'est pas super important, mais ils disent de mettre en horizontal et pas en vertical. Lego dit de faire ça, mais bon, on fait comme on veut. Donc continuons avec cette pièce là. On va mettre ça comme ça, celle-là ici. Donc là, on va bientôt accrocher les feux avant. Vu qu'on voit le volant, donc on sait totalement que là c'est l'avant. Et après, on voit là, ça fait un peu. On va pas dire cage, mais. Comment on veut dire ça? Ça fait un peu. Ouais, l'arrière où on peut stocker des choses. Pick-up quoi. Grosse Jeep et pick-up. Donc une grosse pièce, la toute vieille brique Lego, très connue. Une 2x4. Donc, comme ça. Là, ça. Donc, comme ça. Et c'est. Et oui, cette lumière que j'ai mis flash vraiment. Et du coup, sur le mode d'emploi, ça brille, mais comme pas possible. Du coup, bah, je vois pas super bien le. C'est pas un problème de vue, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, on va enfin coller un sticker. Il doit y avoir un truc qui a bugué. Je ne sais pas, c'est rien d'important, c'est absolument pas en rapport avec mes Lego. Donc tant mieux. Et on fait ça comme ça. Et ouais. Non, c'est pas franchement ça que je voulais. Donc on fait ça comme ça. On met les feux là. Et oui, je commence à partir en live en hors caméra. Donc. Une fois deux là, une fois deux là avec accroche mal, et une fois deux mais avec accroche mal sur le bord. Et donc, où en sommes-nous? Et on va mettre des grilles là au milieu pour tenir tout ça. Mais après, ça, oui, ça tient quand même pas mal bien. Et on doit prendre ça et on met ça comme ça. Et c'est le sticker numéro 9 à coller ici. Et la pièce est un petit peu rugueuse. C'est quand même pas trop mal. Et on accroche ça comme ça ici. Donc je colle pas le sticker, mais voilà à peu près ce que ça donne. Et si vous voulez le coller juste, juste, parfaitement juste, sur le carton, on voit, c'est collé comme ceci. Donc je vous laisse regarder si vous voulez coller. Et donc là, ça doit être bon. Donc, j'enlève. Voilà. Donc, pour continuer, on met deux pièces ici. Ici et ici. Donc, deux grosses pièces plates. Donc, une noire là et une orange ici. Donc, un sticker numéro. 1
avec la croix en os. Et le sticker numéro 12 à coller juste là en bas. Et si vous voulez voir comment ça se remet, vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo où je viens de montrer la boîte pour voir où sont exactement les stickers. Et là, c'est vraiment la ruée aux stickers parce que on va encore en mettre. Donc on met ça ici. Ici, on colle encore un sticker ici, le numéro 10. On prend ces deux pièces là, qu'on met là au bord. Et il prend déjà bien forme, hein. Je me demande si on pourrait pas déjà mettre les roues. Ouais. Non, parce que. Ouais. On va pas mettre les roues. Maintenant, je sais pas en fait comment ça va se mettre. Je vais rien faire du tout. Voilà. On va pas essayer de dire ouais, on va tricher, on va vite avancer un petit bout. Eh bien, non, on va pas avancer. Donc, comme ça. Ouais, comme ça. Il nous faut encore ici. Donc, comme ça. Et on fixe tout ça bien comme ça. Comme ça, tout se croche ensemble assez facilement. Donc, on met juste ces deux pièces-là à l'avant, comme ça. Et voilà que ça tombe. Donc, comme ça. Et on met non, des oranges. Ici, une fois une orange. Donc on a déjà vraiment presque fini. Et on met ça ici. Je vois pas trop l'utilité de mettre ça là. Enfin bon. Après, on met ça ici. Avec le sticker numéro 8. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Donc on prend tout ça. On met donc dans quel sens? Donc comme ça. Donc le côté joli du pneu. Avec le truc marqué Lego 37 sur 18. Pas le côté où il y a les trous. Avec le côté joli et pas où il y a les trous aussi. Donc on fait ça x4. Et c'est la même chose que ce soit noir ou gris les jantes pour l'instant. On fait tout. Et voilà. Comme ça. Et on met une grise à l'avant droite du véhicule. Donc ici, ça roule. Une roue noire à gauche, à l'avant. Une roue grise à gauche à l'arrière et une roue noire à droite à l'arrière. Donc ça fait noir, noir, gris, gris. Donc plutôt pas mal. Voilà. On prend toutes nos pièces d'avant. Voilà, tout ça. La moto, on peut la laisser de côté. Les deux personnages, on peut les laisser de côté. Ça, on doit les mettre. Comme ceci. Voilà. Et on doit encore mettre la valise, bien sûr. Avec le sticker numéro 6, mais de quel côté? De ce côté-là. Donc, vous avez où il y a les barres, juste ici. Vous fermez et c'est ici. Donc comme ça, vous mettez ça à l'intérieur de la deuxième boîte. Comme ça. Comme ça, c'est rangé. Après, vous prenez le toit, vous le mettez. Non, à l'arrière, plus à l'arrière, tout à l'arrière, comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on met encore?
Bon, là, niveau accessoires, on laisse. Donc, les mécanismes, pistolet lance-tenon, où ça s'enlève. Et si on appuie ici, voilà, ça fait sortir ça. Donc, rien de trop extraordinaire. Là, les pièces en plus, presque que dit une fois, hein. Une fois un de chaque couleur qu'on a utilisé, donc comme ceci, une pièce technique et un truc pour respirer sous l'eau, ou ceux qui vivent sous l'eau, sur la terre, quoi. La liste des pièces sur 2 pages, et je vous ai montré ça dans la première vidéo, mais bon, les mécanismes, 2 pages de liste de pièces, les différents modèles. Une pub pour le jeu vidéo Marvel Avengers, l'ère d'Ultron. Le Lego Club, la gagne avec le petit pirate qui va bien. Donc un seul mode d'emploi. Et bon, 21 minutes, c'est pas beaucoup beaucoup. Donc je me dis, ouais, allez, ouais, on peut coller 2-3 stickers. On va coller un ou deux stickers. Donc les plus faciles à coller, quoi. Donc on va déjà prendre la planchette de stickers avec les stickers déjà collés ici. Nous prenons, ils nous disent quoi? Le 10, donc c'est celui-ci. On le met de ce sens-là et ici. Donc comme ça. Le 12. On le met de ce sens-là. Ça, moyennement bien collé. Donc ici et ici. On colle le tout gros. Donc avec les os. Voilà, sortir juste la pièce. Pour coller mieux. Voilà. Il nous reste quoi encore? Le numéro 6, où est-il? J'ai l'impression de l'avoir oublié. J'ai vraiment cette impression. Donc le numéro 6, ça, où va-t-il? Eh bien, je sais pas. On va vite trouver ça. Parce qu'on pourrait le coller comme ça serait fait. Donc là, pas de sticker. Là, le sticker, on l'a collé. Donc, un numéro 6. Donc, 4, 5, pas 6. 11, pas 6. 3 et 2, toujours pas 6. Tout là, on colle pas de sticker. Ah ouais, c'est pas le 6, c'est le 9, je crois. Non, le 9, ouais, non, il faut le 6, 6, 6. Alors, le 6, où est-il? Je sais absolument pas où il faut être collé. Donc, 8, ici. Ah oui, le 6, oui. Je le disais quand même. Donc, c'est sur cette valise. Donc, comme ceci. Ici, et oui, je suis bête, j'ai parcouru tout le mode d'emploi alors qu'en fait c'était à l'avant-dernière page. On va coller juste le sticker bien quand même, donc comme ça, voilà, comme ça, donc. Voilà, pas trop besoin de focus, c'est déjà bien comme ça. Voilà. On accroche ça. Qu'est-ce qu'on peut encore vite coller? Bon, il nous en reste 2. On a 24 minutes. Voilà, on peut coller. Vraiment, on colle ça. Pendant qu'on y est. Donc,
Ça, on n'a pas encore fait. Donc, ici. Donc, je vais reprendre ça. C'est le sticker numéro 9. Vu que c'est pas très long, j'aurais même pu le faire en une vidéo, en fait. J'ai remarqué. Je sais plus combien dure l'autre vidéo, enfin la première partie. Mais elle doit pas durer beaucoup plus long que ça. Elle doit être même plus courte, je pense. Donc on colle vite fait ça. Et voilà, le 8 comme ça. Donc comme ça, voilà. Et oui, aussi en termes de mécanisme, le véhicule roule parfaitement bien. Voilà. La moto roule aussi parfaitement bien. Ceci s'enlève aussi bien pour le drone. Donc franchement, oui, très bon set. Pas le meilleur, parce que le meilleur c'est quand même le duel entre Hydra et les Avengers. Donc on a le buggy Hydra et le 4x4 des Avengers. Je sais pas si je peux vite vous le trouver. Ouais, non, je peux pas. J'ai pas franchement le temps. Mais bon, on va faire quand même une petite scène. Mis à part ça, faut qu'on ne vole pas en vrai, hein. Petite précision. Comme ça, vous le savez. J'ai encore une pièce qui vient de tomber. J'ai vraiment beaucoup de pièces qui tombent ces temps. Donc si je fais ça. Faire ça plus simplement, on va le mettre ici, son petit pistolet on va le mettre là, on va mettre son toit Black Widow sur sa moto, et donc comme ça on va essayer de faire ce que dit Lego. Donc on peut pas faire voler le faucon ni faire ouvrir ça comme ça, donc on va faire comme ça. Et ouais, bon, voilà, c'est déjà pas mal. Faut juste que j'arrive à lever ça comme ça, comme ça, voilà. Et voilà, petite scène. On va tourner ça comme ça. Focus. J'ai dit focus. Voilà. Donc, petit set très cool. Ouais, franchement, je vous le recommande. Il est. Recommande, oui. Alors, soit je vous le conseille, soit je vous le recommande, mais je vous le recommande, non. Voilà. Mais en tout cas, je vous le recommande et je vous le conseille. Et je vous le. Tout ce que vous voulez. C'est le meilleur set de tous les temps. Non, il est vraiment bien. C'est pas le meilleur de tous les temps, mais il est vraiment bien quand même. Donc, si vous savez pas trop quoi vous acheter, parce que vous n'avez pas beaucoup, vous savez pas trop quoi vous acheter, vous n'avez pas énormément de choix. Et si vous avez ce set dans le choix, franchement, prenez-le. Il est vraiment, vraiment bien. Il est aussi vraiment facile à construire. Trois personnages, dont je crois deux exclusifs. Deux, oui, parce que Black Widow est aussi dans le Quinjet des Avengers dans l'ère d'Ultron et pas Civil War. Crossbones, je crois qu'il est exclusif à 7. Et Faucon aussi. J'en suis pas sûr. Si vous avez des informations que j'ai pas réussi à vous donner, vous pouvez me les mettre dans les commentaires. Comme ça, je les saurai. Et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et salut à tous!